Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo 100% action. Je vais manger pendant 24 heures la nourriture que j'ai achetée chez Action, mais je ne serai pas la seule à manger, à tester. J'ai aussi acheté plein de nourriture pour mes chats. Je me suis dit pourquoi pas tester moi et mes chats la nourriture d'Action, parce que là-bas il y a un rayon pour les animaux et j'ai acheté plein d'accessoires, plein de jouets pour mes animaux de compagnie. Oh là, vous les entendez, c'est en train de miauler. Du coup, je vais donner le petit déjeuner à mes chatons et aussi je vais manger parce que franchement, j'ai trop faim. Généralement, je donne à mes chatons des friskies. Donc, j'achète toujours un gros sac. Donc, j'en ai au moins pour un mois de nourriture. Ça m'évite de sortir. Voilà, je récupère les croquettes avec ce doseur et ensuite, je remplis leur gamelle. En plus, j'ai acheté une grande gamelle. Franchement, ils aiment trop manger, surtout toi, Oreo. T'es toujours là à vouloir manger. Alors là, j'ai disposé les trois petites nouvelles gamelles et je sais pas s'ils vont faire attention aux couleurs, c'est vraiment, ça m'intrigue. Hein. Du coup, voici le lait. Je vais les appeler et ils vont venir pour boire et pour tester. Je vais voir s'ils vont aimer ou pas. Des bébés! Les chatons! Je pense que mes petits chatons ont bien aimé le lait. Là, il y a Phoebe. Il y a Phoebe qui est en train de boire avec Caramel. Phoebe, va dans notre gamelle, va dans notre gamelle et laisse Caramel boire tranquillement. Bye, pour moi, ils aiment le lait, hein. C'est validé. Voici ce que j'ai sélectionné pour mon petit déjeuner. Donc, j'ai pris des barres au riz au chocolat. C'est des barres de riz chocolaté Rocky Rise. Donc, c'est sans gluten. Donc, ici, j'ai pris un thé. Donc, c'est au citron, à l'aloe vera. Des verres. J'ai pris du sucre naturel, c'est du sucre au miel, ce sont des sticks à l'intérieur. Bon, la boîte, elle a déjà été ouverte. Ensuite, j'ai pris un sachet de smoothie à boire, c'est un antioxydant. À l'intérieur, il y a de la pomme, de la fraise, de la betterave, de la banane, de la framboise et aussi une carotte rouge. En tout cas, le thé sent très bon, ça sent hyper fort le citron, j'aime trop ça. Et j'aime aussi beaucoup le thé vert. Et je vais rajouter un stick de miel pour sucrer un petit peu mon thé. Je vais en mettre un petit peu, je n'aime pas la moitié. Et je remue. Dans ce thé, le citron est très fort et très présent. Je sais pas pourquoi je fais ça avec mes mains. Et franchement, c'est hyper bon, c'est délicieux. Mais là, je sens pas trop le miel. Je vais en rajouter un petit peu. Quoique, je vais mettre un petit peu sur la cuillère. Par contre, pour moi, c'est trop sucré. Ensuite, je vais goûter ces barres de riz enrobées de chocolat. J'ai vraiment hâte. Donc, ici, il y a une ouverture facile. Est-ce que ça va être difficile pour moi? Je ne sais pas. Non, ça va. J'ai exagéré, mais ça va. Et voilà la barre chocolatée. Donc, c'est comme ça que ça se présente. C'est comme ça que c'est dans la vraie vie. En fait, voilà, il n'y a pas trop de différence. C'est trop bon. C'est trop bon. Et pour terminer mon petit déjeuner, je vais goûter l'antioxydant, le smoothie. C'est vraiment bon. C'est bon. Dans ce smoothie, je sens vraiment le goût de la banane, des fruits rouges, c'est-à-dire de la framboise et de la fraise. Je sens pas du tout le goût de la carotte rouge. D'ailleurs, je sais même pas quel est son goût. Je trouve que c'est délicieux quand même. Franchement, tout ce que j'ai pris pour le moment, c'est plutôt pas mal. Je suis satisfaite de mon petit déjeuner. Voilà, il est quelle heure là? Il est déjà 14h10 et je n'ai pas encore déjeuné parce que j'étais en train de vous filmer un haul Action. Et en fait, là, c'est la pagaille. Il y a plein d'articles par terre. Du coup, j'ai pas vraiment envie de cuisiner parce que j'ai pas le temps de faire la cuisine. J'ai beaucoup de choses à terminer. Je voulais juste vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, j'avais pris des zéro pasta. Donc, ce sont des pâtes à 9 calories, des spaghettis.
Donc, je pense pas que je le ferai aujourd'hui parce que ça va prendre un certain temps. Et là, en ce moment, je dois aller vite. Je vais plutôt me rabattre sur des repas qui sont faciles à cuisiner. Du coup, j'ai pris ça, Cully Quick. Donc, dans son mot, il y a quick, rapide. Donc, peut-être que je vais faire ça. Et en plus, ça dure 7 minutes. Donc, ça va, ça peut être rapide pour moi. Ou bien, je vais peut-être tester le Mug Shot. Donc, ça aussi, ça a l'air facile à cuisiner. Ça prend combien de temps? 5 minutes. Il y a marqué qu'il n'y a pas beaucoup de calories, il y a 2% de matière grasse, pas d'artificiel, ni de colorant, ni de conservateur. C'est facile parce qu'on peut le faire à la bouilloire comme ceci. Et je pense que je vais faire ça maintenant, ça va être plus rapide. Alors pour les chats, j'ai décidé de leur faire tester ça. C'est le Liquid Cat Snack. À l'intérieur, il y en a 3 de chaque. Donc il y a 3 poulets et 3 poissons. Alors j'ai pris le goût poulet pour mes petits chatons. J'espère qu'ils ne vont pas aller picorer à droite à gauche. Et je vais préparer ça pour eux. Et parallèlement, je vais bouillir de l'eau pour préparer mon repas à moi qui est étoilé. Un repas fin gourmet de chez Action. Alors voilà, j'ai placé les 3 gamelles pour les chatons et je vais les appeler. Les bébés, les chatons, c'est l'heure de manger. Faut manger, bébé. Non, c'est pas là. Va voir ta gamelle. Ne touche pas la caméra. Va voir ta gamelle. Mais non, c'est pas là. On va voir le premier chaton qui va y aller. Caramel, vas-y, montre-lui. Caramel, elle est partie. Regarde. Caramel, elle a déjà trouvé. Et toi, t'es là? Va la suivre. Non. En fait, Oreo, c'est pas là, là, ta part. Ta part, elle est là. Ah, ta part, elle est là. Phoebe! Je sais pas ce qu'elle est en train de faire. Comme d'hab, je crois qu'elle fait des bêtises. Alors, les bébés chatons, est-ce que c'est bon? Oreo, il a tout fini. Oreo, fais voir. Il a quasiment tout fini. Caramel, t'en es où? Bah toi aussi, bah j'étais gourmand, hein. Donc pour les petits chats, c'est validé. Et voilà comment c'est à l'intérieur. Il y a une limitation où on doit mettre l'eau. Donc je sais pas si vous allez bien voir. C'est un trait noir tout autour du gobelet. Après avoir patienté quelques instants, voici le résultat. Donc la sauce est devenue beaucoup plus épaisse et ça sent hyper fort le fromage. J'ai vraiment très faim, donc je vais commencer à goûter. J'espère que c'est pas trop chaud. C'est bizarre parce qu'il y a des endroits où c'est croustillant, comme si ça n'avait pas bien cuit. C'est un peu bizarre. Voilà, j'ai tout fini et franchement, c'est hyper bon. Mais comme je vous disais, il y a des endroits où ça croustille et je ne sais pas pourquoi. Maintenant, j'ai soif et j'ai besoin de me désaltérer et je vais tester cette canette, la Candy Can. Je vais goûter. C'est trop bon. C'est vraiment très très bon. C'est très très bon, ça a vraiment le goût du bonbon, du bubble gum, on sent très très bien. Mais l'inconvénient pour moi, c'est que c'est une boisson gazeuse. Et pour terminer, je vais prendre mon petit dessert. C'est vrai que j'aime bien prendre un fruit en dessert. Alors, ce sont des fraises séchées. Je suis pas trop fan, hein. Pof, pof. J'ai pas aimé le goût. Je suis pas très fan. Le mug shot m'a trop blindée. J'ai le ventre bien rempli. J'ai pas l'habitude de manger autant. J'ai l'impression que j'ai le ventre lourd. Là, je vais passer l'après-midi à faire un montage. Et je vais aller voir ce que font les chats pendant que moi je travaille. Les bébés choux sont en mode dodo. Dodo ou bagarre? Ça dépend. Ça commence comme ça au début et après ça termine en bagarre. Voilà, je vous l'avais dit, je les connais par cœur. Au début, ils se font des petits câlinous, voilà, comme ça. Et après, ça finit en coup de patte. Voilà, maintenant, elle est fâchée. T'es pas contente? T'es pas contente? Aïe, il m'a mordu! Voilà. Je les connais par cœur, ces chats.
Vraiment par cœur, c'est comme si c'était moi qui les avais faits. Oh, il y a bébé Oreo qui est venu me rejoindre, il est 17h15. Alors, t'as bien dormi bébé? T'as fait une bonne sieste? J'ai passé toute l'après-midi à faire le montage de ma vidéo haul action, donc j'ai toujours le même pull. C'est normal parce que j'ai fait tout en une journée et je me suis pas changée. Je me mets toujours ici parce que en face il y a un bazar monstrueux et du coup là c'est l'heure du goûter, j'ai envie de faire une pause. Je vais mettre le déguisement à Oreo, c'est l'heure du déguisement. Oreo, c'est pour toi? Attendez, je vais baisser un petit peu. Comme ça, on va mieux le voir. Oreo, c'est pour toi, viens, 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 c'est pour toi. On va mettre le déguisement aujourd'hui parce que t'es mon super cat à l'attaque. Oreo, ça va être très technique. Je sais pas si je vais réussir à te le faire porter. Viens, bébé, viens. Et t'auras une friandise, je te promets que t'auras une friandise. Donne-moi ta patte. Non, bébé, non, bébé. Oréré. Non, me mords pas, je te promets que je suis gentille. Mais c'est trop petit. Oh, t'as réussi à l'enlever, viens. Ta super cape. Voilà, Oreo. Mon super gourmand de chat. Alors, pour le goûter, j'ai décidé de donner à mes chatons des petites friandises. Ce sont des petites barres de friandises, des sticks cut. Je dis en mode rebeu. Mais bébé, Superman, t'as ta cape à l'envers. Donc voilà, ils sont en train de manger leurs friandises. Donc super cat Oreo en train de kiffer comme d'hab. Il aime trop manger. Là, il y a Phoebe qui a sa part. Elle est en train de manger également. Et Caramel, pareil. Donc c'est Caramel qui est en train de terminer. Ouais. Je me suis bien lavé les mains pour prendre mon goûter. Et j'ai choisi la canette d'Arizona. La Green Tea and Honey. Alors franchement, j'aime trop ce thé. Je le connais très très bien. Mais je l'achète régulièrement chez Action. Du coup, comme j'aime boire du thé, ce matin j'ai pris du thé chaud. Et là, je vais prendre un thé froid. Je connaissais déjà et j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai décidé de prendre les Golden Rolls. Donc à l'intérieur, il y a du caramel beurre salé. J'ai tellement hâte. En fait, ça va, c'est pas mauvais, mais c'est pas un truc de ouf non plus. Je sens très légèrement le goût du caramel au beurre salé, il est très très lointain, j'ai envie de vous dire, on le ressent pas vraiment. Me revoilà pour le dîner et entre-temps, j'ai grignoté, j'ai dévoré cette boîte de pop-corn que j'ai acheté chez Action. Alors, ce sont des pop-corn au chocolat, au lait, c'est vraiment très très bon. Et pour le repas de ce soir, j'ai opté pour ce sachet de pâtes de la marque Culiquick. À l'intérieur, il y a de la tomate et de la mozzarella. C'est facile à cuisiner et en plus, ça prend que 7 minutes. Ça tombe bien parce que je n'ai pas envie de m'éterniser dans la cuisine. Et pour le dessert, j'ai choisi le Recharging Smoothie. À l'intérieur, il n'y a que des fruits et des légumes verts. C'est plutôt pas mal. Il y a de la pomme, de la poire, des brocolis, des épinards et des concombres. Et pour le dîner de mes petits chatons, j'ai décidé de leur donner des friandises au poulet de la marque Purfection. Mes bébés choux sont en train de se régaler, alors les friandises sont validées. Est-ce que vous avez vu mon plat de reine? Franchement, ça sent bon. J'aime bien l'odeur, donc ça donne envie de manger, sincèrement. Je vais goûter. C'est le moment le plus attendu de la vidéo. C'est plutôt pas mal, franchement. Mais je sens, enfin, pour moi, c'est trop salé. Je sens le sel, il est trop imposant dans mon assiette. Et je mange pas salé. Pour une personne qui mange pas salé, pour moi, il y a trop de sel. Par contre, je ne sens pas du tout la mozzarella. Voilà, j'ai plus faim. Je n'arrive pas à finir. Je pense que je terminerai
mon plat demain à midi. Mais sincèrement, ça m'a calé. Je ne sais pas si c'est approprié de prendre cette gourde parce que je suis trop fatiguée. Il y a marqué recharging smoothie. Ça veut dire que si je bois ça, est-ce que je vais dormir cette nuit? Je suis épuisée, je suis fatiguée. Là, la journée, elle a été longue. Ça sent fort le brocoli. Ah non, j'aime pas trop. Ah non, non, non. J'aime pas. Ah là là, je suis fatiguée. Cette vidéo 24 heures action où je mange uniquement des produits action avec mes chatons est terminée. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça change des vidéos que j'ai l'habitude de faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. À liker cette vidéo pour m'encourager comme d'habitude. Moi c'est Souhait by Sonia et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez m'encourager. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vais aller dormir. Ciao, ciao.